Bonjour tout le monde, ici Picapof QC pour un autre épisode de Elder Scrolls Online. Et on continue. Où est-ce qu'on était rendu avec le vampire, là, l'affaire de vampire? Cet endroit devait être impressionnant à l'époque, mais ce n'est plus qu'une ruine. On dirait que les lieux sont abandonnés depuis des siècles. Heureusement, je m'y étais préparée. Ça vous dirait d'essayer une approche atypique? Les membres de la maison Corbeguet échangent des flacons de leur propre sang. Cela montre un niveau de confiance rare, même entre vampires, car le sang peut servir à toutes sortes de sorts, bénéfiques ou maléfiques. J'ai apporté le sang de Vérandis avec moi. En quoi le sang de Vérandis peut-il nous aider? En déposant une goutte de son sang dans cette potion, nous pourrons faire une marche onirique dans les souvenirs que Vérandis avait de cet endroit. Je la pose sur cette table, pour quand vous serez prête. Je la boirai volontiers moi-même, mais une marche onirique exige un participant impartial. La marche onirique est-elle dangereuse? Dangereuse? Non, généralement non. La potion mélange alchimie et magie. C'est Vérandis qui l'a inventée. Elle permet à celui qui la boit de vivre les souvenirs de la personne dont le sang est présent dans la potion. C'est mon ours qui a aidé. La potion est sur la table. Buvez-la en entier. Je vais boire la potion de marche onirique pour en apprendre le plus possible. Exarque Vérandis, pendant que nous faisons porter vos caisses dans votre étude, les exarques Singalis et Ulfra aimeraient vous parler. C'est un plaisir de vous voir, exarque Vérandis. Le seigneur Rada Al-Saran sera ravi de votre présence. Vous nous avez terriblement manqué. Les exarques Ulfra et Singalis m'ont demandé de vous guider jusqu'à eux dès votre arrivée. Ils désirent vous parler. Bien sûr, seigneur Vérandis. Pardonnez-moi. Je vous en prie, ne faites pas attendre les exarques. L'exarque Ulfra aime contempler la cour depuis le balcon est. L'exarque Tsingalis quitte rarement son laboratoire à l'étage supérieur. Ils veulent tous les deux vous voir. Je vous préviendrai lorsque vos caisses auront été déplacées vers l'étude que nous vous avons attribuée. Oh my god, c'est moi. Vous les sentez, Vérandis? Des proies. C'est pas une vampire. Dans le vent. Nous devrions les chasser. Pas discuter sans fin dans ces salles de pierre. Lorsque vous verrez le seigneur Rada Al-Saran, ne poursuivez pas votre débat immémorial. Ça va être une loup-garou. Il doit rester concentré. Je ne comprendrai jamais votre obsession pour les moutons, Vérandis. Il y a les chasseurs et les proies. Votre sympathie pour les proies frise la folie. Tout comme vous, jusqu'à ce que Molag Bal vous rende supérieur, digne. Le seigneur Irsin a fait de moi l'une de ses chasseresses les plus puissantes, parce qu'il savait que la mortalité me retenait. Je ne pouvais accomplir tout mon potentiel que s'il m'en libérait. Je suggère simplement que nous pourrions vivre en paix avec les mortels. Après tout, ils sont plus nombreux que nous. Le loup ne craint pas sans lapin. Il profite simplement de la manne qu'Irsin lui apporte. Les humains, aussi grandes que soient leurs pathétiques armées, ne représenteront jamais un danger pour nous. Reprenez vos esprits, Vérandis. Revenez auprès de vos frères et sœurs. Je n'aurai de cesse de vous convaincre que ma voix est la meilleure. Vous êtes un idiot, Vérandis. Vous avez toujours été un idiot. Pourquoi le seigneur Rada Al-Saran continue-t-il de vous écouter? Nous n'avons pas besoin de vous au Conseil Gris. Vous n'êtes même pas digne de devenir un fantassin de Styrich. Allez enquiquiner quelqu'un d'autre. Rada Al-Saran s'est bâti un château imposant. Grisâtre est impressionnant. Je ne dis pas le contraire. Mais j'ai horreur de rester planté là à discuter. Je suis né pour chasser.
J'aimerais sentir un mortel se tortiller entre mes pattes, voir son sang éclabousser la terre. Pas vous? Vous savez que je ne suis pas comme vous, Ulfra. À quoi bon vous parler de ce genre de choses? Ça fait bien longtemps que le seigneur Radahal Saran aurait dû s'occuper de vous, mais il continue de vous écouter. Ça fait plaisir. What the fuck is that shit? Ah, Vérandis, bien, je voulais vous parler. Je ne me lasse jamais de regarder cette création. Rappelez-moi pourquoi vous aviez abandonné vos enveloppes de pierre. Je croyais que vous vouliez que vos chers mortels profitent davantage de leur vie éternelle. La mortelle que j'ai ressuscité est devenue folle. Tsingalis, l'expérience a échoué. C'est cela qui vous dérange. Un petit échec et vous abandonnez ces recherches si prometteuses. Vous aviez l'occasion de prendre le contrôle de l'existence même, de contrôler la vie et la mort. Un tel pouvoir est inimaginable, et pourtant, vous le gaspillez. Un échec me suffit amplement. Même le pouvoir que vous décrivez n'en vaut pas la peine. La peine ? Bah, quelle peine! Les mortels sont aussi abondants et insignifiants que les grains de sable sur une plage. Une fois que vous aurez maîtrisé votre création, vous pourriez les ressusciter à l'appel. Ils vous adoreraient comme un dieu. Cela ne créerait-il pas la paix que vous appelez de vos vœux? Nous ne sommes pas leurs dieux, Tsingalis. Nous sommes leur ego. Comment pouvez-vous vous égarer à ce point? Les mortels sont si loin de nous qu'ils ne comprennent même pas leur infériorité. J'espère que le seigneur Radahal Saran pourra vous faire entendre raison. En attendant, je vais étudier cette création et peut-être réussir là où vous avez échoué. J'espère que vous y parviendrez, Tsingalis. Comme ces débats infinis m'avaient manqué, mon ami. Nos discussions profondes et fascinantes sur la science et la philosophie. J'aimerais reprendre ces échanges. Si vous ne vous êtes pas encore présenté, allez donc voir le seigneur Radahal Saran. Et vos recherches? Elles ont bien avancé en votre absence. Radahal Saran a découvert une étrange relique sous la crevasse. J'ai passé des semaines à l'examiner. Elle est remarquable et je n'ai découvert qu'une fraction des possibilités qu'elle pourrait nous offrir. Cela paraît fascinant. Quel genre de relique? Je préfère ne pas tirer de conclusions tant que je n'ai pas pu l'examiner à loisir. Mais je serai ravi d'en discuter avec vous quand vous serez installé. Bye-bye. Il est bien plus sympa que l'autre. Non, on va aller voir le grand Manitou, je sais pas trop. Là. Mais boy. Mais ça, cette quête-là, c'est quoi? C'est une quête par rapport à l'expansion de Vampire ou... Que je l'ai pas acheté. What the fudge? Vérandis, mon ami. Enfin. Elle s'amuse dans l'eau. Oh, c'est toi, Radal de... Quel plaisir de vous revoir, Vérandis, mon vieil ami. Vous avez l'air en forme. Notre château paraît bien vide sans vous. Que pensez-vous de notre nouvelle demeure? N'est-ce pas, comme je vous l'écrivais, tout ce dont nous pouvions rêver? Vous avez construit un château grandiose, mon ami. Mais dites-moi, avez-vous réfléchi à ce que je vous demandais? Parlementer avec la reine mortelle. Oui, mais je n'ai pas changé d'avis. La Horde Grise s'est renforcée au fil des siècles, tandis que des dizaines de royaumes mortels sont apparus et morts. À quoi bon révéler notre existence maintenant? Les mortels ont changé. L'impératrice Estra ferait une bonne alliée. Je comprends évidemment ce que les mortels gagneraient à une alliance avec nous, mais nous, que recevrions-nous en échange?
Le roi Styrich et notre horde grise pourrions écraser cette impératrice Estra et ses armées en une seule journée. Je sais que vous vous inquiétez pour notre peuple, Vérandis, mais c'est inutile. Vous ne pouvez pas continuer de livrer la guerre aux mortels. Ils sont tout bonnement trop nombreux. Pour un esprit aussi brillant que vous, fondateur de notre conseil gris, vous avez parfois la mémoire courte, Vérandis. Voilà ce que je peux vous promettre. Si les mortels ne lèvent pas les armes contre nous, nous ne les lèverons pas contre eux. Mais je ne peux pas protéger vos chers mortels contre eux-mêmes. J'ai toute confiance dans le Conseil Gris, mais pas dans la Horde Grise de Styrich. Une alliance nous protégerait tous. Assez parlé d'alliance et de mortels. Nous avons passé trop de temps loin l'un de l'autre, Vérandis. Parlons d'une meilleure époque, buvons le sang qui nous est offert et réfléchissons à l'immense responsabilité que représente la protection de notre peuple. J'ai discuté avec Ulfra et... Parfait. Vous n'imaginez pas combien je me suis appuyé sur eux en votre absence. Vous serez sans doute heureux d'apprendre qu'Ulfra fait preuve d'une grande retenue ces jours-ci. Et Tsingalis serait ravi de discuter de ses expériences et recherches avec vous. Ils ne comprennent pas nos rêves, Radahalsar. Ils ne comprennent que ce qui sert leurs propres besoins, ou peu s'en faut. Ils ne comprennent pas pourquoi nous avons fondé le Conseil Gris, ni quel atout vous êtes pour la Horde Grise. Il ne sera pas facile de les convaincre de faire la paix avec les mortels. J'aimerais poursuivre notre conversation sur une alliance avec les mortels plus tard, mon ami. Bien sûr. Je vous connais trop pour imaginer que vous renonceriez si facilement. Je vous promets que nous en reparlerons. Rien ne presse. Nous ne nous sommes pas vus depuis une vie d'elfe. Racontez-moi ce que vous avez fait pendant tout ce temps, mon frère. Nous sommes immortels, nous avons tout le temps du monde pour nous retrouver. Et pourtant, vous gaspillez des années loin de votre famille, à vous occuper de ceux dont la vie est aussi éphémère qu'insignifiante. Ah, Vérandis, ma parole ne suffit-elle pas à vous rassurer? Nous en reparlerons plus tard. Pour le moment, j'aimerais aborder des sujets plus agréables. Pourquoi m'avoir fait venir si vous ne voulez pas en parler? Nous avons parlé et j'ai écouté. J'ai consacré bien plus de temps à vos idéaux qu'ils n'en méritent. Je vous invite parce que vous pourrez prospérer avec nous, Vérandis. Votre place est ici, parmi vos frères et sœurs, pas englués dans les péripéties de la vie mortelle. Notre rêve n'a jamais prévu que nous dominions les mortels. Votre rêve et le mien sont similaires, mon ami, mais pas identiques. Cette friction entre nous m'agace. Mais cet endroit... aussi grandiose soit-il, n'était pas complet sans votre retour. Votre place est ici, Vérandis. Ok, trouvez l'étude de Vérandis. Seigneur Vérandis, pardonnez-moi pour l'attente. L'étude est prête. Nice. Allons voir l'étude. Du calme, mon ami. Il est temps de vous réveiller. Trouvez la potion de marche onirique et buvez-la. Ok, c'était bizarre. Vous avez crié dans votre sommeil avant de vous réveiller. Que s'est-il passé? Tout va bien? Je suis allé dans l'étude de Vérandis dans le rêve et j'ai essayé de lire son journal. Oh, ça explique tout. Ne vous inquiétez pas, ça ne vient pas de vous. Il est presque impossible de lire en marche onirique. Mais Vérandis avait une étude ici, dans ce lieu terrible. Alors il appartenait vraiment à la Horde Grise? Oui, à un groupe qui appelait le Conseil Gris, mais il voulait les conduire à conclure une paix avec les mortels. Ça ressemble bien à Vérandis. Après tout, c'est pour cela qu'il a fondé Corbeguet. Pour permettre aux vampires comme nous d'être à l'abri, de se nourrir que de sujets volontaires, et pour aider les mortels au lieu de les opprimer. Donc il n'espérait pas conquérir Tamriel. Non, il défendait plutôt une alliance avec les mortels. Il désirait vraiment la paix. Alors, il ne m'a pas menti. Il reste l'homme que je connais et à qui je fais confiance.
Bien sûr, il a omis quelques détails, mais ça peut attendre. Son étude, elle est peut-être encore là. Vous pouvez m'y conduire ? Je peux vous emmener, oui. Allons-y. Par là. Je crois. Après tout ce temps, son odeur traîne encore dans cet endroit. Vous avez trouvé le journal ? Que dit-il ? Roche-panier. Le journal était encore là ? Incroyable ! Qu'est-ce que ça disait? Perandis voulait ressusciter les humains et des vampires avec les enveloppes de pierre. Faites-moi voir. Oh, le rituel est assez simple. Il suffit d'allumer des bougies et de placer le reliquaire. On dirait qu'il a abandonné ses recherches avant même de les tester sur un vampire. Une question d'énergie vitale et de prix trop cher à payer. Alors que devons-nous faire à présent? Lorsqu'un vampire meurt, son âme part pour Havreglas. Cela peut nous servir. Si nous voulons des réponses, pourquoi ne pas aller à la source? Ressuscitons l'un de ses dirigeants de la Horde Grise, un membre du Conseil Gris dont parlait Verandis. Vous voulez arracher un membre du Conseil Gris à Havreglas ? Pourquoi pas ? Ils sont maléfiques. Peu importe ce que le rituel leur fera, nous devons les interroger pour trouver un point faible, un moyen d'arrêter la Horde Grise. Descendez chercher le reliquaire dont parlait Verandis, puis retrouvez-moi à la salle du rituel. Trouvez le reliquaire et allez dans la chambre rituelle. Ça va être malade, ça. Ok, c'est. Je sors 17 au plus qu'il reste. Il fait noir.
C'est quoi ce calice? C'est une gargouille? Ok, ouais, j'en ai déjà tué de ça. La relique, ok. Il faut que je rentre dans la salle de rituel qui est juste à côté. En bas. Pas sûr, c'est une bonne idée. C'est bien une enveloppe de pierre. Allumez les bougies pour commencer le rituel. Just saying. Parfait. Placez le reliquaire. C'est ça que j'ai ramassé qui était dans le coffre. What the fuck? Il fonctionne. Ne bougez pas, Exarch. Nous avons des questions. J'ai tellement faim. Oh oh. D'accord. Vous voulez vous battre? Alors, en garde. Nous voulons simplement parler. C'est pas ça normal, le rond, là? Fuck, j'ai pas vu ma vie. Faut que je check ma vie, moi, là. Ah!
Wow. Vérandis, que faites-vous ici? Pourquoi croyez-vous que j'avais isolé cet endroit, mon enfant? Je suis venu dès que mes protections ont été dérangées. Vérandis, vous auriez dû me parler du Conseil Gris. Alors, vous savez, Gwendis, venez, allons discuter dehors. Ok. Et un coffre. Bon, on retourne à l'extérieur. J'ai légèrement failli crever. C'était bien. Alors c'est vous qui avez aidé Gwendis dans ses enquêtes. Si j'avais été entièrement honnête avec elle, j'aurais pu vous épargner cette peine. Acceptez mes excuses, je vous prie. Pourquoi n'avez-vous pas dit à Gwendis que vous apparteniez au Conseil Gris? Cela remontait à un passé lointain. Il n'y avait aucune raison d'en parler. Je n'aurais jamais imaginé qu'il pourrait revenir. Rada Al-Saran et moi étions amis. J'ai essayé de le convaincre de choisir une autre voie, en vain. J'ai parcouru vos souvenirs en marchant et Orinique. J'ai vu ce que vous lui avez dit, à lui et aux autres. Vous avez vu? Alors vous savez que je regrette de ne pas avoir insisté davantage. Cela nous aurait-il évité la guerre? Nous ne le saurons jamais. Quoi qu'il en soit, Gwendis m'a dit que Rada Al-Saran était peut-être en vie. Et que la Horde Grise menace à nouveau notre monde. Maintenant, que va-t-il se passer? Maintenant, je poursuis le travail que Gwendis et vous avez commencé. Nous devons découvrir ce que cette Horde Grise ressuscitée compte faire, et trouver un moyen de l'en empêcher. Lorsque le moment sera venu, la Maison Corbeguet vous fera prévenir. J'espère que vous continuerez de nous aider. Je serai prête quand vous aurez besoin de moi. Je voulais découvrir des renseignements sur la Horde Grise, et j'ai découvert que mon mentor avait participé à sa création. Vérandis avait peut-être gardé le secret sur son passé, mais au moins nous savons qu'il s'opposait à leur projet. Il n'a pas participé à leur guerre. Vérandis a promis de vous aider en apprendre davantage sur la Horde Grise et leur plan. J'ai entendu ce qu'il a dit. Je lui en veux encore de m'avoir caché cette partie de son passé, mais nous réglerons cela, tôt ou tard. En attendant, je sais au moins que je peux lui faire confiance, qu'il n'a pas trahi les idéaux de la Maison Corbeguet. Alors vous allez travailler avec lui? Bien sûr. Les enjeux sont trop importants pour laisser quelques secrets nous arrêter. Je l'aiderai de mon mieux. Et lorsque nous en saurons davantage, nous vous ferons prévenir. Vous devez avoir envie autant que nous de tirer un trait sur cette affaire. Je peux faire autre chose pour le moment? Prenez ceci, mon ami. Vous l'avez mérité. Pour m'avoir aidé à en apprendre davantage sur Rada Al-Saran et la Horde Grise, et à découvrir le lien véritable entre Vérandis et le Conseil Gris. Lorsque vous serez prête à agir, la Maison Corbeguet vous contactera. Reliquaire de sombre dessin. Alors, tout ça pour un petit peu d'XP. C'est formidable. Reliquaire des sombres dessins été.
C'était quoi ça? C'est un émote, on pourrait dire? Ah, c'est un émote! C'est un émote! Là, c'est fait. Ça, c'est la quête principale, le port. Fait qu'il faut que je retourne à Aridia. Fait que ça, c'est fait. Peux-tu partir de ça, Aridia? Qui sort? Il doit un super bon petit boss. Commande cash, j'en ai pas mal. Bye bye vampire. C'est fait, je suis content. Ok, on est retourné à Aridia. Le gars de Vulkel. Voyage sur le bateau enchanté. Trouver le port par les... Voulez-vous servir une bonne cause? Il y a la madame ici dans la Nikkei? Je crois. Vous avez l'air de savoir y faire. J'ai besoin d'aide, si vous n'avez pas peur des fiefs ivoriens. Pardon, recommençons depuis le début. Je représente les conservateurs Sirodiliac, une société consacrée à la récupération et la restitution des trésors argoniens perdus. En quoi avez-vous besoin d'aide? Notre groupe est composé de ma sœur et moi, avec quelques associés. Nous préparions une expédition pour rapporter les antiquités que nous avons récupérées à Tourbevaz, au cœur du Marais Noir. Mais la concurrence est soudain devenue agressive. Le fief ivoirien dont vous parliez. Lui-même, Margus Derius. C'est un contrebandier qui ne s'intéresse qu'à l'argent. Il était membre de notre groupe, jusqu'au jour où il a disparu avec toutes nos recherches. J'aimerais que vous vous introduisiez dans le refuge des hors-la-loi voisins, pour savoir ce que Margus prépare.
Je vais voir ce que je peux faire à propos de Margus Derrius. Je n'ai jamais mis les pieds dans un refuge dehors la loi en personne. Mais je tiens de bonne autorité que toutes sortes de vauriens s'y rendent régulièrement. Des malfrats, des contrebandiers et des trafiquants de sinistre réputation. Exactement le genre de fréquentation qui intéresse Margus. Que dois-je chercher dans le refuge des ordres de la loi ? Parlez à quelques-uns des malandrins qui mènent leurs affaires dans le repère. J'en connais quelques-uns de réputation. Cherchez Greta, une négociante en renseignement. Urzashi, un trafiquant d'antiquités. Et Ishundir, un contrebandier de trésors historiques. Ok. C'est ça, en plus. Faire le voyage de bateau enchanté là, sur la plage. Ça, c'est un autre qui va nous envoyer quelque part d'autre, mais on va la faire tout de suite, ça va être fait. Parce qu'on va vraiment comme explorer Aridia. Peut-être que je devrais faire la grotte aussi à m'emmener. Quête principale, puis on verra où est-ce que ça nous mène. En gros, je vais faire le bateau, parce que je vais faire la side quest qui est dans cette place-là. Vous avez sauvé la reine. Que les étoiles vous protègent, voyageuse. Let's go. Bateau enchanté. Île de Morne-Roc. Oh God. Je suis où, là? Trouver l'oracle. Ça, c'est la place de base d'un autre clan. En gros, je pourrais... Wow, what the fudge? En gros, je vais pouvoir... Ça me ramène à Aridia, ça. Une de ces monstruosités d'Edric. La Wyrès à Aelin. D'abord, ces aberrations d'Edric, et maintenant vous. Mais dans quel ennui l'oracle Marie-Ève s'est-elle mise? Vénus Galerion m'envoie m'assurer que l'oracle va bien. Le grand mage, ça ne m'étonne pas. Il a toujours nourri une fascination très particulière pour les talents de Marie-Ève. Ma sœur préfère rester seule, mais nous venons parfois prendre de ses nouvelles. Lorsque je suis arrivée, il y avait des draps partout, mais Marie-Ève n'était plus là. Il a contacté Vanessa, elle m'a désigné par mon nom aussi. Intéressant. J'avais bien remarqué de l'encre fraîche sur ses parchemins. Elle devait écrire lorsque les draps sont arrivés. Cette vision devait être très spéciale pour attirer l'attention de ces infâmes créatures. Vous pensez que les draps se sont attaqués à l'oracle? Peut-être. Mais il n'y a aucun signe de violence ici. Non, je pense qu'elle a envoyé son message avant de se réfugier quelque part. Sans doute l'ancien site du Weird, dans les actuelles mines de Curas. C'est une bonne cachette. C'est là que vous devriez chercher Marie-Ève. Je vais essayer de trouver l'oracle dans les mines de Curas. C'est où ça les mène à Curas? Attention, ces vieilles mines sont abandonnées, mais pas forcément vides. Je raconterai à mes sœurs ce qui vient de se passer. Il faut que je retourne. Faut que je reparte d'ici. Mais c'est une place d'introduction pour ce clan-là. Fait que moi je dirais. Je dirais que je vais explorer toute la place. Avant de continuer. C'est... Je
pense que la place la plus grosse à date que j'ai faite, c'était vraiment le... Parmi les trois places d'introduction, c'est la place de... Voyons. Puis-je vous aider? Je peux vous comprendre, ô divin. Je ne suis pas un Ragnar. Vous seriez censé en être un? Non, non. Suivez-moi. Je vais vous montrer. Bien, passez devant. Quel débuté? Ragnar Margru. Ok. Je suis au bordel de merde. Baguette noueuse. Oh, Kin soit loué, vous l'avez. Pouvez-vous me dire ce qui se passe? Mes amis et moi étions en train de chasser dans les bois lorsqu'un mage fou nous a agressés à coups de sort. Il m'a manqué de peu. Il a lâché cette baguette dans la neige en s'enfuyant. Comment agisse la baguette? Je ne sais pas comment ça marche. J'ai essayé de ramasser la baguette, mais elle m'en empêche. Je crois qu'elle lance le sort, ou le défait. Écoutez, mes amis s'appellent Falta, Brend et Courlesbois. Ils ont été transformés en Ragnar. Trouvez-les et utilisez la baguette pour les guérir. Je vais les retrouver. Ok, ils sont un petit peu partout dans la map, je pense. On va aller dans la ville. Découvert le village de Morneroc. Pas une place pour vendre du stock, je pense que oui, hein. Ici. Ah, notre mystérieuse. Que je viens de vendre. Je vais faire réparer mon stock aussi. Ah, notre. Ok. Et ça, t'en as quoi là? On a. Trois gemmes.
commencer l'histoire de la zone. Au-dessus des terres très voilées, une victoire creuse à la glace. Creuser trop profondément ne serait pas une folie. Maison de... Non, je suis pas à bonne place. Il y a une espèce d'hôtel à quelque part, je pense que c'est là, ici. Rana ne sait pas ce qu'elle fait. J'ai besoin d'aide, il me faut quelqu'un de dégourdi. Quelqu'un comme vous. Comment suis-je arrivé ici? Un pêcheur vous a trouvé sur la plage et vous a ramené au village. C'est un miracle que vous ayez survécu. Et maintenant? Vous êtes la personne Kholzgar a tiré de l'eau. Ravi de vous voir debout. Vous pourriez m'être utile. Vous savez vous battre et j'ai besoin de tous les bras disponibles aujourd'hui. Il y a des villageois un peu partout sur cette île. Nous devons les prévenir. Prévenir pourquoi? Nous avons repéré un navire au large. J'ai envoyé mes troupes y jeter un œil. Si c'est l'avant-garde d'une invasion, eh bien, nous devrons évacuer. Où dois-je chercher là en premier? Vous trouverez les habitants de Mornerok un peu partout sur l'île. Darge, le chasseur, est allé au tertre des Nimbes. Ayman est au trou d'Orquet avec sa sœur, Rolunda. Sein, mon sergent, se trouve à la folie d'Ozin. Darge est allé au tertre des Nimbes. Ayman c'est quoi, et le Rolunda, tertre des Nimbes? C'est un ancien sanctuaire des dragons. Je vais commencer par ça. Une fois que vous aurez trouvé Darge. Ok. C'est encore la nuit, ça. Darge et parle. Fais le pied. Quoi? J'ai dû faire un garrot avec ma botte et du cuir. J'ai traqué la bête pendant des semaines. Je l'appelle Griffe Mort. J'ai fini par retrouver sa trace, mais ça a mal tourné. Je la capturerai pour vous. Passons à un accord. Si vous le capturez, je vous dédommagerai avec quelques pièces. Dans ma fuite, du matériel est tombé de ma sacoche. Suivez-en la trace et vous trouverez son antre. Suivez les traces que j'ai laissées en m'enfuyant.
Les os, le sang et l'odeur vous indiqueront le repère. Attirez-le avec du gibier. Je vous parie que ça va marcher. Toute ma vie, j'ai chassé les bêtes sauvages de bord de ciel. Griffmore avait décimé quelques troupeaux près du bosquet de Kin. J'avais pour mission de le tuer. Je remplis toujours mes missions. Ok, on va aller tuer cet enfoiré là. Oh shit, des lunettes! Moi j'ai un grizzly, fait que... Repère de Griffmore. Ok, entre de la viande. Griffmore. Il est mort. Il doit avoir quelque chose dans son antre, peut-être un coffre, quelque chose. Il fait noir en esti, par exemple. Je me rappelle pas qu'il faisait noir de même. Mais ça, c'est la version PS5 là, que je joue là. Parce qu'ils ont, ils ont fait un espèce d'upgrade PS5. Je sais pas si c'est normal que ça soit si dark que ça. J'attendrais qu'il y ait de l'argent sur ça là. C'est des loups là. J'ai hâte qu'il fasse jour là. Bientôt devoir revenir en ville, mon ami. J'ai perdu beaucoup de sang. Comment se passe la chasse? Je l'ai tué. Voilà une chasseuse aussi brave qu'Isgramore. Voici l'argent. Je chanterai vos louanges dans la prochaine salle des banquets où j'irai. Ne vous inquiétez pas pour moi. Blessé ou non, je retrouverai ma route. Good job. Il s'en va. On a fait une quête. L'homme de givre, ce qui attend en dessous, disparu de Monoroc, allumer la flamme, fuyez Monoroc. On a point d'intérêt. Le trou d'orqué. Repère de Griffmore. Ok, fait que prochain épisode, on va aller dans cette espèce de place-là. Je sais pas trop c'est quoi. On dirait un temple ou peut-être autre chose. On va tout faire la map.
Puis après ça, on va retourner dans ça, puis on va aller voir où est-ce que ça nous mène. Fait que je vous dis merci d'avoir été là, tout le monde. Pika pika à tous. Et à la prochaine.